On avait l'idée de commencer avec un memory pour la mémoire, quoi, pour s'exercer, puis c'est un peu rigolo. Donc voilà, on est trois, et comme ça a été dit, on s'est rencontrés donc, à l'école à Lausanne, à la manufacture, et on va essayer de rendre compte un peu du processus et de ce qui s'est passé dans nos têtes pour faire ce spectacle qui parlait de la mémoire et en fait plus précisément de l'oubli. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là et comment on se souvient. Et il me semble que la recherche a commencé avec une question qu'on s'est posée comme ça autour de la table, où on s'est demandé qu'est-ce qu'on a peur d'oublier? Alors, je crois que moi, personnellement, j'ai peur d'oublier les souvenirs liés aux personnes qui m'entourent. C'est-à-dire d'oublier les gens. Et si j'ai plus de souvenirs avec les gens qui font en fait qui je suis aussi, ben je perds d'une certaine manière aussi mon identité à moi et je fais disparaître les autres autour de moi. Et on pourrait presque dire que d'une certaine manière, en fait, je les fais mourir et je meurs aussi d'une certaine manière parce que je disparais au regard aussi des autres avec qui j'ai été. Oui, je pense que dans toutes les conversations qu'on a eues autour de cette question, toutes les conclusions qu'on en a tirées, c'était surtout cette question de l'identité et du fait que notre rapport à la mémoire était lié à notre identité et que c'était un peu cette peur de la mort qui ressortait, beaucoup plus que, par exemple, ne plus savoir utiliser les objets du quotidien ou des choses comme ça, mais qu'en fait, ces deux questions étaient liées. Sauf que ça revenait toujours à ne plus se souvenir de qui on est, égale mourir, je crois. Ouais. Tu veux dire Non, non, quelque chose? moi c'était. Enfin, je me suis rendu compte que c'était aussi lié à l'identité à la fin, mais en fait, c'était. Voilà, me dire j'ai une compréhension du monde, je comprends les choses. Avec mes yeux aujourd'hui, parce que je me souviens des expériences que j'ai eues par le passé, que du moment où j'étais, enfin voilà, dans d'autres situations, et que c'est ça qui me fait un peu peur, c'est de me dire aujourd'hui, si j'ai que mes yeux d'aujourd'hui pour voir, je comprends plus vraiment ce qui se passe, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé donc pour créer la forme, enfin la performance ou le spectacle qu'on a montré en 2021, c'était de vraiment utiliser ces conversations-là et de les appliquer texto dans une fiction, qui était donc de se dire il y a cinq personnages dans un espace clos qui seraient un peu des limbes et ils sont morts dans le monde réel et ils se retrouvent dans cet endroit bloqués avec leurs souvenirs et progressivement ils perdent aussi leurs souvenirs jusqu'à disparaître complètement. Et ce que les spectateurs voyaient, c'était donc cette disparition progressive de toute leur mémoire. Et c'était ce que Étienne, Delia et trois autres comédiens comédiennes devaient jouer. Bon, c'était pas un défi simple, mais ils ont assez bien répondu. Et donc, en fait, peut-être on vous explique un tout petit peu à quoi ça ressemblait, pour que vous compreniez un peu de quoi on parle, même si on va pas forcément rester là-dessus. Donc, c'était une salle toute noire, comme un grand couloir, et les spectateurs étaient dans un gradin, un peu comme un gradin de tennis, tout en long, et ils devaient un peu tourner la tête pour voir tout ce qui se passait. Oui, et aussi, faut s'imaginer que là, on avait des praticables assez bas qui créaient une sorte de ponton qui pouvait nous protéger de l'eau, des marées, qui nous faisaient oublier. Et puis derrière, il y avait un mur en briques noires, des briques qu'on retrouvait, qu'on avait demandé à fabriquer, des fausses briques en mousse, mais voilà le même symbole, où on pouvait jouer avec, on construisait, déconstruisait. Et puis moi, par exemple, j'avais un personnage qui avait un pinceau et qui passait son temps à nettoyer les briques pour une raison qui nous échappe à tous. Et mon personnage à moi avait un stylo noir
qui écrivait donc sur des briques noires pour essayer de ne pas oublier. Et tous les personnages étaient arrivés dans cet endroit avec des objets, mais pas forcément de manière logique. Enfin, toi, tu avais une brosse à dents, puis toi, tu avais un appareil photo. Et il y avait toutes sortes d'objets comme ça qui étaient posés dans cet espace. Et les cinq personnages déambulaient pendant une heure et vivaient comme dans un vivarium, en fait, pendant tout ce temps-là. Et l'idée, c'est que ce qui rythmait un peu leur vie, c'était qu'il y avait des marées et de l'eau qui montait. Bon, il n'y avait pas vraiment de l'eau qui montait, mais voilà, on mettait un son et puis une lumière, et c'est comme si l'eau montait. Et l'idée, c'était que l'eau efface progressivement leurs souvenirs dès qu'ils la touchent. Et en fait, ça, on ne l'a pas vraiment inventé. C'est plus que dans... En fait, j'ai lu un livre qui est ça. et j'ai piqué des choses dedans. Et l'idée, c'est que l'eau, ce livre parle, entre autres, du fait que dans les mythologies antiques, notamment grecques, quand les morts arrivaient aux enfers, ils passaient à travers un fleuve, qui est le Léthé, et ils étaient lavés de tous leurs souvenirs. Et l'idée, c'est que ensuite, ils repassaient dans un autre fleuve, qui était Mnémosyne, et ils récupéraient une mémoire qui leur permettait de se souvenir de toutes les choses qu'ils verraient aux enfers. Et dans la mythologie grecque aussi, les poètes en fait, venaient boire dans l'eau du Léthé et comme ça pouvaient récupérer les souvenirs des morts pour continuer à se souvenir d'eux et à raconter leurs histoires. Voilà, tout ça est un peu parti de là. Et donc l'histoire commençait avec Delia, enfin le personnage de Delia qui arrivait dans cet endroit. Et qui donc était celle qui à ce moment-là se souvenait le plus de choses, mais ne savait pas où elle était. Et c'était un peu aussi un truc pour que les spectateurs comprennent ce qui se passe, vu que Delia posait toutes les questions qu'on avait envie de poser, comme elle ne savait pas où elle était. Voilà. Anna. Oumo. Oumo. Et en fait, cet endroit très étrange de confusion qui vient quand même beaucoup du fait qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait après. c'était un peu tout ce sur quoi on a travaillé. C'est-à-dire, en fait, cette idée de spectacle et cette idée de thématique de recherche, c'était que... Enfin, moi, je m'étais fait la réflexion que finalement, la présence des comédiens et l'attention des spectateurs sur les comédiens comédiennes au plateau est particulièrement dense ou intense quand finalement les comédiens ont un trou de mémoire. Enfin, moi par exemple personnellement je me souviens beaucoup mieux des moments où j'ai vu des gens oublier leur texte au plateau que des gens très très bien connaître leur texte au plateau, et qu'il y a cette espèce d'endroit un peu étrange de présence qui se crée et qui était un peu inexpliqué et sur lequel on avait envie de travailler. Voilà. Mais alors je suis d'accord que la présence elle augmente en fait parce que on est là, on est tendu vers le souvenir, on a envie de se rappeler, on a envie de voilà, on sait que c'est pas loin. Là la présence, la tension elle est maximum, la présence elle augmente. Et puis à un moment, et tu nous as même arrêté à ce moment-là, c'est parce que enfin j'ai l'impression que la présence d'un coup elle chute parce que je sais pas, on perd le souvenir, il s'échappe ou on perd l'espoir de le retrouver. Et donc, bon, on va faire un truc. J'ai envie de faire un truc. On est des scientifiques ici, donc j'ai envie de faire des schémas et tout. Est-ce que on n'a pas de stylo, par contre. Est-ce que je peux prêter un stylo? Trop bien. Ok. Donc, si je veux m'exprimer en termes... Enfin, jouer aux scientifiques. Donc, là, c'est une présence quotidienne.
Donc elle est comme ça. Puis il y a le trou de mémoire. Ma présence, elle augmente comme ça parce que je suis tendu vers le souvenir, je vais me rappeler. Et puis il y a bien un moment où je me rends bien compte que je ne vais pas me rappeler. Et là, en fait, tout s'écroule, quoi. Et là, c'est terrible. Je me sens vraiment... Voilà, donc on a quand même un problème. Et attends, si je peux me permettre, donc je te fais un truc encore plus scientifique, qui est... Pardon. Ouais, c'est une compète. Ouais. Qui est la courbe de l'oubli. Genre, c'est un monsieur qui s'appelle Hermann Ebbinghaus, je pense que ça se prononce comme ça, et qui a théorisé une courbe qui s'appelle la courbe de l'oubli. Donc je te fais des abscisses et des ordonnées aussi au passage. Ok, voilà. C'est plus scientifique. Et donc ça, on va dire que c'est la mémorisation. Et ça, on va dire que c'est le temps. Et en fait, si tu apprends quelque chose, donc ta mémorisation au moment où tu l'apprends, c'est là. Et avec le temps, bah, ta mémorisation, elle baisse. Et tu vois, c'est exactement l'inverse. Et on va dire qu'à peu près à J2, tu as déjà perdu 50% de ce que tu as appris. Et en fait, le but, c'est que si tu réapprends à ce moment-là, ben, la courbe, elle fait plutôt ça. Et si tu réapprends encore à ce moment-là, ben, la courbe, elle fait plutôt ça. Bon, tu vois ce que je veux dire ? Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est exactement l'inverse de ce qu'on dit sur ta présence quand tu oublies quelque chose. Voilà. Mais c'est la partie... C'est drôle parce que j'ai l'impression justement, par rapport à ce que tu dis pour la présence qui chute et même par rapport donc à la courbe de la mémoire, c'est que ça me rappelle aussi aux exercices qu'on faisait pour où on s'entraînait en fait à prolonger le moment où on était donc dans ce trou de mémoire et qu'on essayait de respirer à l'intérieur de ça et pour justement essayer de gérer le stress et en fait donc on prolongeait au fur et à mesure avec l'entraînement cette présence et on pouvait faire retarder cette chute. Voilà, en fait ça me fait penser à ça. Oui, et aussi ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est pour augmenter ce temps où on reste un peu dans l'entre-deux, on a oublié mais on n'a pas tout à fait perdu espoir, on a commencé par se demander qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête à vous pendant ce temps-là, tu vois, pour essayer de comprendre comment on pourrait le rejouer en fait. Donc je repose la question, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps-là ? J'y vais ? Oui, vas-y. Alors pour moi, j'ai une image, j'espère que ça va vous parler. En fait, c'est comme si je nage dans un lac. Donc tout va bien, je connais mon texte, tout va bien, je sais ce que j'ai à faire, je sais nager, tout va bien. Puis à un moment donné dans ce lac, je perds une boucle d'oreille. Et donc cette boucle d'oreille, elle tombe, donc elle est très importante pour moi, donc je dois m'arrêter, je ne peux pas continuer à nager. La boucle d'oreille, c'est voilà, je dois m'arrêter, je ne peux plus continuer dans le texte. Et elle tombe dans l'eau, et en fait, je ne sais pas si vous voyez, quand on essaie de rattraper une boucle d'oreille dans l'eau, si on y va de manière volontaire comme ça, on est sûr de la perdre parce qu'elle va s'échapper et en fait on va même la perdre de vue, donc on est mort. Et la stratégie que moi j'utilise quand même dans l'eau, c'est de me dire, de mettre ma main en dessous et de laisser la boucle d'oreille atterrir dans la main en espérant que elle va atterrir dans ma main. Et le processus de se rappeler, pour moi, je l'imagine comme ça, c'est que j'ai pas grand-chose à faire d'autre que d'attendre que ça revienne, quoi, en espérant que ça va tomber juste, et de prier pour m'être bien positionné dans la bonne position pour que ça revienne. Mais voilà, faut croire, quoi. Alors, pour moi, je crois, en fait, dans les moments d'oubli, ça se passe donc souvent au plateau, face aux gens, comme là. Donc, il y a tout le stress, déjà. Et en fait, j'ai l'impression que... Donc quand j'oublie le texte, c'est comme si tout le temps s'arrêtait et je commence à percevoir les visages différemment, les petits gestes et l'attente dans le regard. Le cœur bat plus vite, il y a la sueur, voilà, et plein de pensées qui me traversent. Et donc c'est aussi un peu un moment en fait où j'ai l'impression de rompre un contrat avec le public parce qu'on est là pour dire un texte et qu'il y ait vraiment un échange. Et quand je l'oublie, il y a
je le perds. Et en même temps aussi, il y a ce moment donc, où on devient super vulnérable parce qu'on devient fragile. Et c'est comme l'impression d'un coup d'ouvrir quelque chose, d'être totalement à nu et que vous puissiez avoir presque accès à toute ma fragilité que j'essaye de cacher, en fait. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est en fait ce qu'on s'est raconté. Et puis, on a en fait plein d'autres témoignages dans d'autres mots, un peu la même chose. Et c'est là où on en est venu à se dire qu'il y avait forcément un lien avec le stress là-dedans et que peut-être pour faire tenir ce moment-là, il fallait réussir à un peu endiguer le stress que vous vivez de cette vulnérabilité et de le sentiment un peu désespéré de vouloir courir après quelque chose qui ne revient pas. Et donc, en fait, on a eu comme une assez bonne intuition parce qu'après, je pense que peut-être vous en parlerez mieux que nous, mais que de toute façon, la mémorisation a en fait un lien avec le stress et qu'on a besoin en fait d'une certaine dose d'état de stress pour se souvenir des choses, mais qu'en même temps, si on a trop de stress, on ne se souvient plus de rien. Ce qui est par exemple le cas quand, avant de monter sur scène, on a un trac pas possible et qu'on a vraiment le sentiment qu'on va se souvenir de absolument aucune ligne de notre texte. Ce qui est assez faux, parce qu'une fois qu'on est dedans, ça revient normalement, mais voilà, c'est assez lié. Et donc l'idée pour nous, c'était de se dire comment on s'entraîne, un peu comme des athlètes, à faire descendre ce stress pour maintenir l'état de « je vais m'en souvenir » sans lâcher l'espoir le plus longtemps possible. Parce que ça nous intéressait dans la présence que ça renvoyait des comédiens, comédiennes au plateau. Je crois que c'est bon, non ? C'est ça ? Et du coup, on s'est dit que peut-être on pouvait vous le montrer. Vous montrer un des exercices. Comme ça, vous allez peut-être plus vous rendre compte aussi de ce qu'on dit quand on dit cette question de la présence, parce que c'est quand même un peu un gros mot théâtral qui voudrait peut-être une heure et demie de plus de conférences et on n'a pas le temps, voilà. Mais du coup on va vous montrer. Vous êtes prêts? Oui. Cadeau. Et il en faut un autre. Je sais pas, t'en as un? Non. Trop bien. Vous m'entendez là ou pas? Ça va? Vous êtes concentré? C'est bon? Tu m'entends? Non. Trop bien. Donc là, vous êtes bloqué avec moi pendant un petit temps parce que ce qui se passe, c'est que ils sont en train d'apprendre, en tout cas le début d'un texte. Et puis ensuite, ils vont venir le réciter. Donc, c'est des conditions extrêmes qui les mettent dans une situation impossible. Où, bien sûr, c'est prévu qu'ils échouent. Mais je ne suis pas complètement sadique. Genre, ça a un but, quand même. l'idée, c'est pas tant de les mettre dans des positions impossibles que de vraiment essayer de se concentrer sur les effets que ça a pour eux de traverser ça. Là c'est un peu extrême parce qu'ils sont face à tout un public, mais normalement quand on fait ces exercices on les fait un peu tous les jours avec des durées d'apprentissage différentes sur des tailles de textes et des types de textes différents et l'idée c'est vraiment juste pour eux de se nourrir de ces sensations là pour ensuite pouvoir les rejouer. C'est pas forcément, je leur demanderai jamais de faire ça sur scène et d'en faire un spectacle parce que c'est pas si intéressant quand même, théâtralement. Même si dans la technique, c'est intéressant. Voilà. Donc là, j'ai encore un peu de temps à vous parler, le temps qu'ils apprennent. Donc peut-être que je peux en profiter pour faire une petite séance genèse intime de ce projet. parce que en fait, la mémoire en théâtre, c'est un thème assez classique, dans le sens, il y a beaucoup
ben, beaucoup de pièces de théâtre, et le théâtre de manière générale parle beaucoup de la thématique de la mémoire, peut-être moins du trou de mémoire ou de la question de l'oubli. Et en fait, ben, pour moi, ça a un peu une origine floue, parce que je ne suis pas particulièrement proche ni de gens qui perdent leur mémoire, ou ni d'une... Moi-même, je n'ai pas un rapport hyper traumatique à la mémoire. Mais par contre, c'est vrai que je retiens à peu près rien par cœur, et qu'il y a un seul poème que j'ai appris par cœur dans ma vie, qui est le Bateau ivre de Arthur Rimbaud. Ce n'est pas très original, mais c'est le seul poème dont je me souviens, et encore, parce qu'en fait, le poème fait 100 vers, et je ne connais pas du tout les 100 vers. J'en connais 16, et j'ai essayé d'apprendre plusieurs fois la suite, et je n'ai jamais réussi. Mais en fait, le Bateau ivre m'a été assez utile dans la vie, parce que je suis quelqu'un qui est sujet à des crises d'angoisse de temps en temps. Et un jour, on m'a dit, mais tu sais, pour les crises d'angoisse, le plus simple, c'est de répéter des choses que tu sais par cœur pour te concentrer sur quelque chose et te calmer dans la respiration. Et par exemple, la personne qui m'a dit ça, en l'occurrence, le faisait avec la liste des 50 premiers joueurs mondiaux de tennis. Sauf que moi, vraiment, ça, c'est pas du tout quelque chose que je sais par cœur. Et en fait, je sais rien par cœur. Donc, j'ai commencé à me répéter les premiers vers du Bateau ivre. Sauf qu'il fallait quand même pas que mon angoisse dure trop longtemps, parce que 16 vers, ça va quand même hyper vite. Donc, je me souviens hyper bien de ces 16 vers, mais le reste, toujours pas. Enfin, il n'y a que ça qui est rentré. Donc voilà, je vous raconte ça parce que le début du travail, c'est aussi ça que j'ai essayé d'expliquer aux comédiens, comédiennes. Et que c'est là aussi où est venue l'intuition que ce rapport au stress et à l'angoisse pouvait être une entrée assez intéressante pour parler de la mémoire. Et c'est vrai que on s'est souvent retrouvés dans ces situations-là, parce que ce que je leur ai demandé de faire aussi, de jouer une heure en se souvenant de pas grand-chose et en improvisant la plupart des choses et en devant jouer l'oubli tout le temps, c'était quand même une situation un peu stressante. Voilà. Je pense que là, j'ai assez parlé et qu'ils ont assez appris. Donc, je vais aller les chercher. C'est bon ? C'est bon ? Ça va ? Ok, vous selon les consignes de l'exercice. Donc, les bras le long du corps, on essaie, fixez-moi, si vous voulez, en essayant de pas trop lever les yeux en haut ou en bas quand vous ne vous souvenez pas, ni trop utiliser vos mains, et de bien respirer quand vous vous souvenez plus. Et vous avez le droit de revenir au début, au vers d'avant, si vous avez un trop. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les peaux rouges les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Les peaux rouges criards les ayant pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Comme je l'aime comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur.
comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidée par les haleurs. Des peaux rouges les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais, dans les clapotements de la marée. Enfant couru. Bravo. Ça va? Ouais. Un truc à dire? Je me sens comme en CM2 en train de réciter mon poème que j'ai pas appris correctement, quoi. Terrible. C'est... Mais ça fait deux ans qu'on l'a pas fait. On ressent le gouffre. Ouais. Après, je me questionne quand même sur... Il y a un peu la présence qui monte, mais je suis pas sûr que ce soit... méga intéressant à regarder dans un spectacle, quoi, d'avoir juste des gens qui oublient leur texte, quoi. Oui. Et en fait, c'est un peu à ça qu'on en est arrivé comme conclusion, en fait. Que c'était moyennement intéressant sur le long terme à regarder, mais par contre que ça pouvait être nourrissant quand même dans le jeu, je pense. Et du coup, de là, on s'est dit, on a quand même besoin d'une fiction et on a quand même besoin de passer par des personnages pour rejouer ça sans que ce soit les comédiens et comédiennes au plateau qui vivent cette intensité-là et cette fragilité-là, même si ça les nourrit et ils traversent ça quand même. Le fait qu'il y ait un peu une barrière de personnages entre eux et cette fragilité de l'oubli, c'était nécessaire. En fait, c'est là aussi où justement ces exercices qu'on faisait nous ont permis en fait de créer du lien avec donc les personnages et la fiction qu'on était en train de créer, mais de se connecter à ce sentiment intime en fait, ou ce parcours intime qu'on faisait dans ces moments d'oubli. Et de les rattacher du coup au personnage. Après, là est arrivée une deuxième question qui est un peu théâtrale, qui était que maintenant qu'on avait des personnages et une histoire, on était obligé de refaire tous les soirs la même chose. Donc deuxième heure et demie de conférence sur la question du refaire au théâtre, sur laquelle on ne va pas s'arrêter du coup, mais quand même l'idée c'était, il faut qu'on refasse tous les soirs la même histoire et en même temps, il faut qu'on oublie tous les soirs l'histoire. Donc là c'était un nœud pas simple dans lequel en fait moi j'ai essayé de donner des consignes. J'ai essayé de venir un peu rajouter, par rapport à mes recherches à côté pour le mémoire, des clés de compréhension ou de réflexion que j'avais, qui marchaient ou ne marchaient pas, en fait. Enfin, c'est là où la théorie vient un peu rencontrer la pratique, et ça ne marche pas toujours. Et en fait, eux, je pense qu'ils ont surtout fait leur sauce entre ce que moi, je leur racontais et ce que j'avais l'impression qu'il allait marcher avec mes théories, et ce que eux étaient capables de faire et aussi capables de totalement pas me dire et que je les crois quand même dans ce qu'ils faisaient au plateau, en fait. Donc il y a un peu l'envers du décor qui était cette question de waouh,
une heure d'improvisation, on n'a pas écrit les choses, on a l'impression qu'ils sont en train d'oublier en live ce qui est en train de se passer, mais en même temps l'histoire avance. Et moi, je croyais ça aussi à plein de moments, alors qu'en fait, y avait plein de choses qui étaient un peu truquées, mais qui sont quand même un rapport à la mémoire et au travail des comédiens et comédiennes, mais qui ont un peu rien à voir avec ce que moi, j'avais anticipé dans ma recherche. Quoi. Oui. Par exemple, tout ce qu'on avait en fait écrit, oui. Alors il y avait des parties écrites, de l'histoire qu'on devait faire avancer et en fait et des parties non écrites donc de vide où c'était donc les endroits d'oubli où donc on les avait jamais notés donc c'était vraiment des couches de souvenirs chaque soir et chaque répétition et en fait c'était dans les moments écrits donc où on devait en fait refaire notre travail de comédien comédienne où il fallait aussi retrouver le processus de l'oubli par l'observation au physique je sais pas toi tu as aussi un exemple par rapport à la première scène ouais, dans la première scène le moment où ça on avait écrit le moment ce qu'on vous a montré tout à l'heure le moment où donc le personnage d'Anna rentre et moi mon personnage qui s'appelle Umo vient la rencontrer et puis elle me demande mon prénom elle se présente vas-y Anna. Et toi ? Umo. Donc ça, voilà, ça, on le faisait tout le temps. Donc ça, c'est le boulot un peu classique du comédien, de la comédienne, de se dire comment on fait pour jouer cette chose-là de je fais semblant d'oublier, ah oui, je me rappelle, je peux le dire. Donc ça, c'est un mélange entre de la copie de ce que j'ai vu sur les autres personnes qui oubliaient, et puis de l'introspection sur moi, ce que j'ai senti à ce moment-là, au moment d'oubli. Donc j'essaye de refabriquer ça avec un mélange de mémoire et de ce qui se passe en vrai, au moment où je le fais. Ouais. Sauf que donc, nous, de fait, il y avait une deuxième couche qui se rajoutait à ça, qui était tous les moments où en fait... vous ne pouviez pas vraiment faire ça parce qu'on n'avait pas écrit ce qui allait se passer et vous deviez quand même faire avancer le spectacle. Et en fait, là où on a triché, enfin en tout cas où on a essayé de se dire comment on va reproduire le lien entre l'oubli et la mémoire au plateau dans une histoire, c'était de se dire tous les moments qui sont écrits comme ça sont des moments en fait de souvenirs, de choses certaines, enfin... un peu là, quoi. Et tous les moments d'oubli sont, en fait, tout ce qui est l'improvisation, donc aussi l'imprévu, et qui peuvent être là, comme là. Et qui dépendent des soirs, et qui dépendent de la manière dont les cinq, en fait, au plateau s'entendent. Après, ça, c'est beaucoup ce que moi, je me suis projetée et ce que j'ai fantasmé. En fait, ce qu'eux ont fait, c'était majoritairement tricher avec mes consignes et faire deux choses en même temps, en fait. Enfin, en fait, si vous voulez peut-être expliquer un peu plus ce qui se passait dans ces moments où c'était de l'improvisation et où vous deviez à la fois montrer l'oubli et en même temps continuer à faire avancer une histoire. Ouais, c'est ce que ça disait, qu'on a transposé donc ces moments pas écrits étaient des moments de vide et en fait le fait d'oublier c'est aussi un moment de vide. Donc ça on a transposé et puis on a transposé le fait de se rappeler. En fait, se rappeler voulait dire trouver le spectacle, trouver ce qui allait habiter ces moments de vide. Donc, voilà, on a fait une petite transposition et c'est là que la création du personnage était importante. Personnage, c'est aussi une notion vague, mais bref, peu importe. Une heure et demie de plus. Voilà. Le personnage se mettait un peu entre le public et moi, comédien, ce qui me permettait de, pendant que vous voyez un personnage qui fait sa vie, en fait, moi, derrière, je suis en train de réfléchir à écouter les autres et essayer de trouver ce qui est juste. Et donc,
c'était un peu ça l'enjeu, c'était de me dire, se rappeler, c'est en fait trouver ce qui est juste. Et il y avait aussi, je me souviens, dans ces moments donc, de vide et d'oubli, donc il y avait soit essayer d'écouter, de faire avancer ou de réfléchir à comment on pouvait faire avancer l'histoire, mais il y avait aussi donc, la possibilité de se retirer, un peu comme une vague, et en fait de partir dans des souvenirs liés à des objets pour se créer une sorte de bulle de souvenirs et partir de l'activité principale. Et juste par rapport à ce que tu dis de juste, ça me fait peut-être qu'on peut montrer un exemple aussi de qu'est-ce qui est peut-être pas juste. Ouais. C'est très vague, mais par exemple, si vous imaginez que mon personnage, donc elle arrivait à la fin, et donc je devais poser beaucoup de questions pour que le public puisse en fait comprendre à quel point les autres ont déjà oublié. Et donc je demandais par exemple où est-ce qu'on était, ou 1 plus 5, voilà, 2 fois 2, et donc il répondait parfois 19, ou qu'on était à Rome alors qu'on était ailleurs. Et donc, et oui, et là, ça aurait été par exemple, comme c'est important pour l'histoire, pour la compréhension dramaturgique de la pièce, c'est important que moi je ne me lance pas dans un monologue à ce moment-là, ou que je ne vienne pas interrompre. Donc ça, c'est une question en fait très concrète d'écoute et d'équilibrage en fait, de plateau, de comment on fait avancer l'histoire pour qu'elle soit entendable, compréhensible. Mais on est d'accord qu'il y a aussi plein de fois où vous ne pouviez pas vous parler entre vous et que vous faisiez quand même la même chose en même temps. Et ça, moi, par exemple, c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris comment vous faisiez. Enfin, en fait, j'ai compris plus tard, quoi. Ouais, tu parles des moments où on n'était pas en train de suivre la narration, mais qu'on était en train de faire apparaître des moments. Voilà. Comme des moments collectifs. Oui, mais oui. Comme ce que tu me disais. Ah oui, ben, en fait, il y avait des moments où, qui apparaissaient, donc, où il y a vraiment la mémoire collective qui s'activait, et sans qu'on le veuille. Et donc, c'est là aussi où on essayait donc, d'oublier, mais en fait, on s'en souvenait malgré nous. Et donc, même des textes qu'on avait lus il y a 5 ou 6 mois, ensemble, sans nous en déclencher en fait la mémoire collective. Et il y avait par exemple un moment où on se retrouvait toutes et tous sur un côté, sauf une personne. Et il y a donc 5 mois ou 6 mois, on avait lu un texte par rapport à un plongeoir où il y avait tous les élèves d'une classe ici, sauf un qui devait sauter. Et donc on le regardait, et en fait dans le même moment, on avait la même image et la même référence sans qu'on se parle. Et ça, c'était un peu un moment magique, parce que d'un coup, on avait un lien entre nous, et voilà, c'est donc sans qu'on le force, en fait. Et on se sentait connecté profondément. Ça, et donc ça, c'était un autre moment juste. Voilà, c'était, quand ce n'est pas pour l'histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus du coup, abstrait. On était en permanence en recherche de ce moment-là. Donc des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Et c'était... être en enquête de qu'est-ce qui est juste pour les personnages dans cet univers qu'on avait créé à force de mémoire collective, d'histoires qu'on s'est racontées à propos des objets qui étaient sur scène. Et c'est la cohérence en fait de cet univers-là qui rend l'action juste pour nous et donc pour le public, parce qu'on arrive à être tous d'accord. Et ça, j'aurais voulu l'anticiper, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment anticipé, mais j'ai fait un lien rétrospectif sur ce que moi j'avais cherché en parallèle dans mon travail de mémoire, et que, enfin, du coup, je le fais maintenant, le lien, mais je pense qu'on ne se l'est jamais dit de cette manière-là dans le travail, mais c'était en particulier, enfin, en fait, il y avait 2 choses. Sur lesquelles j'avais travaillé un petit peu, enfin en tout cas j'avais fait des recherches, c'était donc cette question de la phénoménologie en lien avec le fait que collectivement on passait toujours par des objets ou l'espace ou des choses très concrètes qui étaient toujours présentes à nos yeux
pour se charger de souvenirs collectifs. C'est-à-dire, par exemple, on allait amener un objet, raconter l'histoire de cet objet, puis quelqu'un d'autre allait raconter une autre histoire sur cet objet, ou comme ça. Et en fait, si ces objets n'avaient pas été là, je pense qu'on n'aurait pas pu forcément recréer ces moments-là au plateau, parce que c'était vraiment le lien nécessaire pour que quand quelqu'un prenait un objet, les autres se souvenaient de tout ce qu'on était en train de dire. Et en fait, j'ai fait le lien un peu inconscient, enfin je pense que c'était assez inconscient, mais ou peut-être pas, mais avec ce que je pouvais lire par exemple de Merleau-Ponty ou de gens comme ça qui parlent du fait que la présence des données, par exemple un objet, va permettre de réactiver la possibilité d'une mémoire, en fait. Ou de manière plutôt théâtrale, il y a un auteur qui s'appelle Philippe Mignana, par exemple, qui a écrit un texte qui s'appelle Inventaire, où c'est des femmes qui viennent raconter leur vie. Mais en fait, elles ne racontent pas intentionnellement leur vie, juste elles arrivent avec un objet et elles disent, bon, bah voilà, cet objet, en fait, il a un lien à ma vie, parce que si ça, ça. Et en fait, à partir de là, elles commencent à raconter toute leur vie par une sorte d'association d'idées. Et on s'est assez inspiré de ces choses-là pour créer en fait une mémoire collective. Mais je pense qu'on croyait pas vraiment en fait que ça allait marcher, et ça a marché, donc c'est chouette. Mais voilà, il y avait cette donnée-là. Et après, j'ai relu d'autres choses aussi derrière. Où, bon, là, c'est un lien un peu plus poétique, je pense, qui était par exemple dans la mythologie. Il y avait ce qu'on appelle les aèdes, qui sont des récitateurs chanteurs, enfin pas dans la mythologie d'ailleurs, juste en Grèce antique, et qui donc étaient des récitateurs, ils apprenaient par cœur des textes et ils les récitaient à l'oral, et c'était, enfin voilà, ils racontaient des histoires comme ça. Et en fait, ils disaient qu'ils étaient inspirés par les muses, mais en fait, c'est que leur inspiration venait du fait que c'était les muses qui avaient vu les choses et qui leur soufflaient. Et en l'occurrence, la mère des muses, enfin la déesse qui est mère des muses, c'est Mnémosyne, donc la déesse de la mémoire. Donc en fait, je fais un long détour pour dire que, en gros, pour les Grecs, souvent, la mémoire passait tout le temps en fait par la vision, et en l'occurrence que les aèdes ne voyaient pas directement les faits, mais qu'en tout cas, les muses qui leur soufflaient voyaient les faits, et que ça passait toujours par cette question de la perception. Et je pense que c'est assez en lien avec ce que nous, on a pu expérimenter un peu sans savoir tout ça au plateau, de vraiment se parler aussi, en fait, en voyant les autres manipuler ou en que les objets permettaient de revoir le souvenir. Voilà, premier détour. Deuxième détour, c'est, on change de sujet, de domaine scientifique, mais il y a un... en fait, je me suis pas mal penchée sur le travail de Marcel Mauss, qui est un anthropologue, qui a théorisé, entre autres, la question du don et contre-don, qui est en fait une structure sociale qui est en fait assez mondiale. Enfin, je crois qu'il a fini par un peu prouver que c'était plutôt mondial. Et qu'il a théorisé comme étant au fondement un peu de tous les fonctionnements de société, c'est-à-dire de partir de l'idée que le don est jamais sans contrepartie et qu'il appelle toujours comme contrepartie un autre don. Est-ce que, en fait, c'est le lien que le don crée entre les deux personnes qui est plus important que ce qui est donné, en fait, que ce qui est échangé. Et je sais que ta question va être... Quel rapport avec la mémoire? Et c'est en fait que, à ce moment-là du travail, je me suis demandé pourquoi en fait on apprend ces choses-là par cœur, typiquement une histoire du bateau ivre, mais pourquoi on apprend des choses par cœur et pourquoi au théâtre on a une telle envie de venir réciter des trucs qu'on a appris par cœur. C'est quand même un peu bizarre comme besoin, quoi. Et donc on a fini par un peu se dire qu'il y avait de ça dans ce qu'on vivait, qui était la nécessité de donner pour recevoir en échange. Et en tout cas, ce que nous, on faisait avec nos exercices de se donner des objets, se donner des souvenirs, créer un lien, c'était avant tout de pouvoir se raconter des choses
Et en fait, d'en avoir un peu rien à faire, si ces choses sont vraies ou pas vraies, si ces souvenirs sont complètement inventés ou pas, si c'est des histoires, si c'est notre vie, mais plutôt de se dire, on est en train de s'échanger des choses. Bon, en l'occurrence, matériellement, c'est un objet, mais surtout, ce qui se passe, c'est que comme on s'échange ces choses-là, on crée un lien, et que finalement, à force de faire ça jour après jour, on a créé une sorte de mini-société qui construite autour d'une mythologie commune. Et pour revenir à ce qu'on disait sur ce qui est juste, en fait, vous pouviez difficilement vous tromper entre vous, même en improvisation, parce que finalement, ce qui est juste, c'était tout ce qui rentrait dans le cadre de cette espèce de petite société qu'on avait créée, et que, enfin, tout ce qui dépassait se voyait tout de suite, parce que pour nous, ça n'avait aucun sens, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, peut-être que je m'enfonce un peu là, mais voilà. On avait créé cette espèce de monde dans lequel n'existait plus que ce qu'on s'était dit et ce qu'on voyait en fait au plateau. Oui, c'est ça. Et puis là, on a déjà une petite société parce que, par exemple, ce stylo, je l'ai eu quand j'ai fait une conférence sur la mémoire. Et en fait, je devais faire un espèce de schéma sur la table à un moment donné et je n'avais pas de stylo. Et donc, c'est une personne du premier rang qui me l'a donné. Et avec un grand sourire, je me souviens. Un pull bleu, je crois, les cheveux assez longs. Bref, après, on a passé une soirée formidable. Ce qui aurait été juste, ça aurait été de lui rendre. C'est un peu ça qu'on fait normalement. Et j'ai complètement zappé. Donc voilà, j'ai ce stylo. Ouais. En fait, ce stylo, c'était le premier stylo qu'on m'a donné. Alors j'avais 2 ans. On vivait encore à Biarritz. Et en fait, je regardais par la fenêtre. Et il y avait ma mère qui était juste à côté de moi. Et j'étais comme ça accrochée. Et en fait, je voyais en bas une énorme place avec plein d'enfants qui sortaient avec des cartables. Et ils avaient l'air super heureux. Et du coup, je voyais ça et je disais, « Waouh, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une fête ?» Ou genre, je ne comprenais pas. Et ma mère disait, « Non, c'est la maternelle. » Et là, je la regarde et je dis, « Mais moi aussi, je veux y aller. » Et elle me dit, non, mais t'as les couches, faut qu'ils n'ont plus de couches. Et donc je disais, ok. Et genre, vraiment, en fait, donc après, on est allé visiter. Et je me souviens, alors je ne sais pas pourquoi cette image m'a marquée, mais en fait, il y avait des toilettes, mais c'était, il y avait du carrelage bicolore. Et en fait, les toilettes, elles étaient super petites, mais vraiment minuscules. Et je me disais, mais c'est magnifique, genre, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc, du jour au lendemain, j'ai vraiment arrêté de porter des couches. Et donc, je suis arrivée à l'école avec mon cartable. C'était un sac à dos avec un nounours. Il y avait une odeur, mais j'arrive pas à la... Elle est là, mais très lointaine. Et donc, j'arrivais et en fait, on m'avait donné ce stylo-là. Et je commençais à apprendre à écrire avec ce stylo et j'ai toujours encore ce carnet chez moi. Et ma maîtresse, elle s'appelait Madame Jacqueline et elle avait une frange avec des cheveux longs comme ça. Et je me souviens aussi du coup de mon amoureux qui s'appelait Timo et j'avais l'impression d'avoir 10 ans alors que j'avais 2 ans. Et donc j'avais ce stylo tout le temps avec moi et je l'ai gardé pour, comme souvenir pour ne pas oublier. Je crois que c'est l'heure d'aller manger, du coup. Merci beaucoup. Donc ça,
c'était la première partie de la soirée avec nos jeunes comédiens. La deuxième partie est un peu plus scientifique, avec vous aussi. J'avais un texte à vous transmettre, mais je pense que ce serait mieux de le faire justement après, peut-être, sans qu'ils ne sont pas prêts. On a le temps, du coup, parce qu'il est 19h27, donc... Qui ferait bien la transition. Oui. Alors, je ne suis pas comédien et j'ai un certain âge. Et comme on va vous le dire tout à l'heure, l'âge influence sur la mémoire. Donc je ne retiens pas. Et c'est pour ça que j'ai mon texte sur un papier, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je voulais vous faire une transition par rapport à ce que vous allez voir tout à l'heure, en vous parlant de quelques notions de mémoire telles que nous on le définit, les scientifiques. Mais j'ai fait lire ce texte à mon épouse hier, et elle m'a dit, ça n'a rien de scientifique, on dirait un littéraire qui l'a écrit. Je lui dis, ben c'est parfait. Je voulais commencer par vous parler du roman de Gabriel Marquez, que vous connaissez certainement, « 100 ans de solitude », dans lequel est décrit un étrange fléau qui a frappé le petit village de Mokondo, provoquant chez les habitants la perte de certains de leurs souvenirs. Les symptômes se sont développés par étapes, et chaque villageois a perdu d'abord la capacité à se rappeler des souvenirs d'enfance, puis les noms, puis les fonctions des objets, ensuite l'identité d'autres personnes, et enfin, comme le dit Gabriel Marquez, la conscience même de sa propre personne. Un artisan effrayé de ne pouvoir retrouver le mot enclume pour décrire l'outil avec lequel il travaille depuis toujours, se met frénétiquement à placer des étiquettes sur tous les objets de sa maison. Inspiré par le soi-disant succès de sa méthode, il va étiqueter chaque chose dans le village en marquant même les animaux et les plantes. Donc ça va être vache, chèvre, cochon, poule, banane, etc. Mais petit à petit, en étudiant les formes infinies que pouvaient prendre les pertes de mémoire, il réalisa qu'un jour viendrait où les choses seraient reconnues par leur inscription, donc vache, cochon, poule, mais où personne ne pourrait se rappeler de leur utilisation. Alors, il devient beaucoup plus explicite et il commençait à écrire sur chaque objet. Par exemple, c'est une vache, elle doit être traite tous les matins pour qu'elle puisse produire du lait. Le lait doit être bouilli pour être mélangé avec du café pour faire du café au lait, etc. Affligé par la pensée d'une vie à étiqueter sans fin, Buendia, c'était son nom, fait une tentative héroïque pour sauver la mémoire des villageois. Il a mis au point une machine à mémoire qui va stocker les enregistrements de toutes les expériences et de toutes les connaissances accumulées de la vie de chacun des villageois. Après avoir entré 14 000 données dans la machine, de façon tout à fait miséricordieuse, comme vous pouvez l'imaginer, Buendia est finalement libéré de son cauchemar par un étranger qui le guérit de son tourment avec un remède qui va provoquer la restauration complète de sa mémoire et de celle des villageois. Et à ce moment-là seulement, il reconnaît l'étranger comme étant un vieil et cher ami. Donc le roman va présenter d'une manière dramatique un monde sans mémoire, un monde dans lequel même les amis proches et les membres de la famille sont des étrangers, un monde dans lequel toute forme symbolique de communication est inutile, où la plupart des tâches sur lesquelles repose la société ne peuvent être réalisées, et peut-être plus révélateur encore, un monde où ont disparu notre sentiment d'identité personnelle et notre conscience de soi. Et nos amis neurologues vont certainement vous parler de ça dans certaines pathologies. Mais à l'exception de certains moments fâcheux sur lesquels on reviendra, nous sommes à peine conscients de tout ce que nous faisons ou disons tous les jours et que cela dépend des opérations constantes et efficaces de notre système de mémoire. Par exemple, ce que nous on fait régulièrement, les professeurs à l'université, pour garder le contact avec les collègues, on va déjeuner ensemble. Donc, en quoi consiste de déjeuner avec un collègue? C'est une tâche extrêmement simple d'aller avec un ami au restaurant. Pour commencer, vous devez être capable d'accéder au nom de votre ami. Ah oui, il faut que je déjeune avec... Comment il s'appelle déjà, celui-là? Voilà. Il faut se rappeler de son nom. Il faut savoir où retrouver son numéro de téléphone. Bon, maintenant, on a des téléphones portables, tout est là-dedans. Ainsi que l'information nécessaire pour effectuer l'appel. Donc, c'est bien d'avoir un téléphone, il faut savoir à quoi ça sert. Ensuite, vous devez utiliser votre mémoire des voix pour identifier la personne qui répond au téléphone comme étant votre ami. Il faut le reconnaître au téléphone.
il faut se souvenir de la conversation jusqu'à la fin pour comprendre ce qu'il va vous dire, dans quel contexte. Et la conversation va certainement suivre une conversation que vous avez eue avec lui auparavant et qu'il ne va pas vous le rappeler. Donc vous devez parler en connaissance de cause du contexte. Vous devez chercher dans vos souvenirs des sorties au restaurant pour trouver le bon restaurant et vous souvenir s'il est végétarien, s'il aime des entrecôtes ou s'il est tout à fait allergique à un aliment donné. Ultérieurement, vous devez vous appuyer sur des connaissances et des habiletés comme conduire une voiture pour vous rendre au lieu de rendez-vous, donc ce qu'on appelle la mémoire procédurale, entre autres. Et vous devez vous assurer aussi que ce nouveau rendez-vous est bien inscrit dans votre emploi du temps. Donc tout cela, nous le réalisons quasiment tous les jours. Je ne déjeune pas avec des collègues tous les jours. Mais des tâches qui nous semblent tout à fait anodines sont en fait extrêmement compliquées. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun ordinateur aujourd'hui qui sait faire ça. Prévoir, anticiper, planifier et catégoriser ainsi. En fait, on compte sur ces systèmes pour des exploits similaires à tout moment et tous les jours de notre vie. Et comme d'autres capacités biologiques, la mémoire a évolué depuis des générations en réponse aux pressions de sélection naturelle. Bon, Darwin est toujours là. Un herbivore qui peut se souvenir des endroits où trouver de la nourriture va disposer d'un avantage de survie par rapport à un autre qui ne s'en souvient pas. Et idem, un herbivore qui se souvient comment échapper à un prédateur va avoir certainement un avantage de survie. Donc la mémoire est extrêmement importante pour la survie de l'individu et de l'espèce, et c'est pour ça qu'elle est avec nous et qu'elle reste avec nous. Mais tout en étant loin d'être parfait, et ça on le voit tous les jours, pour répondre à tous nos besoins, nos systèmes de mémoire vont effectuer un remarquable travail pour répondre à la grande diversité des demandes auxquelles nous la soumettons. Et les scientifiques, les médecins, on les catégorise, on les classe en différents types de mémoire, de point de vue temporel, court terme, long terme. Là, on a vu un exercice de mémoire à court terme, il était violent. C'est comme exercice, parce que c'est demandé quasiment, littéralement, l'impossible. Donc on les catégorise de manière temporelle, on les catégorise de manière aussi qualitative, mémoire des objets, mémoire des événements, mémoire d'enfance, etc. Et nous avons tous des expériences personnelles qui concernent des imperfections de notre mémoire. Par exemple, j'ai demandé l'autre jour à un collègue depuis combien de temps il s'est rasé la barbe. Il m'a regardé, il m'a dit « mais je n'ai jamais porté la barbe ». Et pourtant, j'étais convaincu qu'il avait porté la barbe. Donc chacun a vécu cette expérience inconfortable d'être incapable de retrouver un mot, un événement que nous connaissons bien, ou même reconnaître un visage parfois. On sait qu'on le connaît, mais il suffit de le sortir du contexte, et moi ça m'arrive tout le temps. Il faut sortir un visage de son contexte, je sais que je le connais, je suis tout à fait incapable, totalement incapable de savoir de qui il s'agit. Et c'est souvent d'ailleurs dans un restaurant, il faut croire que je fais que ça, où je rencontre un collègue avec son épouse ou avec des amis et je ne le reconnais pas. Parce que ce n'est pas du tout dans le lieu de travail. Bon, il ne faut pas que je le voie tous les jours non plus, parce que sinon je le reconnaîtrai. Mais vous l'avez tous vécu, ça. Et parfois, on peut se demander pourquoi se souvenir d'un passé ressemble parfois à tenter de capturer un fantôme qui fuit ou une boucle d'oreille qui tombe dans l'eau. Est-ce que c'est une manifestation des imperfections de l'évolution ou plutôt les effets connexes de ces avantages, à savoir est-ce qu'oublier est important, est-ce qu'oublier est tout aussi important que se rappeler. Parce que imaginez que vous ayez immédiatement accès à toutes les choses, tous les événements, tous les noms, tous les visages que vous avez toujours connus, su ou vécu. Est-ce que vous serez plus efficace? Ça a été abordé par Borges avec sa nouvelle « Funeste sur la mémoire » qui est publiée en 1942, et il va décrire ce qu'il a appelé lui-même une métaphore de l'insomnie. Il va raconter l'histoire d'Irenio Funes, un Uruguayen qui, suite à un accident, est devenu doté d'une mémoire infaillible, extraordinaire, après une chute de cheval. Donc, d'après le narrateur, cette hypermnésie va l'empêcher de penser correctement. Donc, car penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, c'est abstraire, comme le décrit Borges. Mais in fine, pour les scientifiques, avec les courbes, qu'est-ce que la mémoire? Je ne vais pas la définir ici, ne vous inquiétez pas, on va avoir une deuxième partie pour ça. Alors nous sommes, par contre, je vais juste vous introduire quelques petites notions et on arrive à la fin. Nous sommes maintenant tout à fait convaincus que nos souvenirs ne sont pas seulement des données que nous stockons et rappelons froidement comme des ordinateurs. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne la mémoire.
les artistes, qu'on a vu, les écrivains, bien sûr, sont depuis toujours conscients de l'importance de l'expérience subjective dans la mémoire. On a parlé du stress. Et je suis d'ailleurs souvent surpris par leurs commentaires tout à fait éclairés sur la place de la mémoire dans leur travail créatif. Alors, juste pour introduire une des notions de la mémoire, cette propriété tout à fait particulière, qui est très importante, que nous ne pouvons séparer nos souvenirs des événements actuels de notre vie et de ce que nous avons vécu précédemment. Un exemple type de cela, vous allez en soirée, il faut croire que je fais que ça aussi, on va dire en congrès avec un collègue, hein ? Parce que sinon, on va croire que je ne fais que des soirées, des restaurants. Mais vous allez plus souvent certainement en soirée qu'en congrès. Donc, vous allez en soirée avec un collègue ou un copain et vous vivez la même soirée pendant des heures et vous vous retrouvez une semaine après et vous allez vous raconter la soirée. Bon, il est évident que les éléments principaux de la soirée seront communs. Hein, vous allez vous rappeler où c'était, qui vous a invité, l'appartement, comment y aller, etc. Mais les événements de la soirée vont être très différents en fonction des intérêts de chacun. Vous allez vous rappeler d'une conversation délicieuse que vous avez eue avec quelqu'un, alors que votre ami va se rappeler de la très belle femme habillée en rouge qui était assise je ne sais pas où. Donc, même événement, deux souvenirs différents. Donc, c'est ce que nous avons vécu dans le passé qui va déterminer ce que nous extrayons de nos rencontres quotidiennes dans la vie. Les souvenirs sont des enregistrements de la façon dont nous avons vécu des événements et non pas des événements eux-mêmes. Et quand nous allons nous rappeler de ces événements, nous allons les reconstruire. On reconstruit un événement. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous vous rappelez d'un événement, vous perdez une information et parfois vous en rajoutez même une, consciemment ou pas, en fonction de vos désirs d'autres histoires. Donc, ce dont Laure Belnou va nous parler aussi, c'est que les expériences sont encodées par des réseaux cérébraux dont les connexions ont déjà été façonnées par les rencontres antérieures avec le monde. Donc, nous ne nous faisons pas qu'enregistrer comme une caméra. Ce savoir préexistant va influencer fortement la façon dont nous encodons et stockons nos nouveaux souvenirs, contribuant ainsi à la nature, à la texture et à la qualité de nos souvenirs futurs. Voilà. J'espère qu'avec ce petit texte, j'ai réussi à vous harponner pour vous garder avec nous après la petite collation. Merci. Il nous reste 15 minutes pour les questions, si vous avez. Je remercie Juliette, Delia et Étienne pour cet exercice, hein, donc sur le parti pris artistique, peut-être celui de la mémoire subjective qui a été évoqué. Donc, si vous avez des questions à poser aux artistes, c'est le moment. La première question étant toujours la plus difficile à poser. Merci, merci pour votre représentation. Si j'ai bien compris, vous êtes comédien. Jusque-là, j'ai bon. Hein, d'accord. Et je pense que le propre d'un comédien, ce n'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de réciter un texte, mais c'est celui d'interpréter un personnage. Donc je voudrais que vous me donniez la différence entre ces deux termes, s'il vous plaît. Alors, après, tu diras... Alors, je dirais que... en fait, oui, toute la question est donc d'interpréter en fait un texte et un personnage. J'ai l'impression que qu'il y a du Arsène avec mon micro. D'interpréter un texte qui est lié à un personnage. Mais souvent, en fait, le texte donne, comment dire, le texte fait partie du personnage. Et après, bien sûr, il y a aussi des moments où on peut improviser, où on n'a rien, et donc on va construire un personnage pour avoir un squelette. Mais souvent, en fait, on va donc réciter du texte, mais c'est juste, en fait, c'est jamais juste réciter, donner un texte comme ça, parce que sinon c'est fade, c'est plat. Mais toute la question est de notre point de vue et comment on va l'interpréter et quel est aussi le personnage pour
arriver à donner notre version aussi à nous et notre manière d'interpréter qui ne sera pas la même si moi je fais, si j'ai un texte classique ou contemporain qui est donc lié à un personnage, que, comme si Étienne le faisait, ben, ce ne serait pas du tout pareil en fait. Parce qu'on est deux personnes différentes avec deux mémoires différentes et du vécu aussi très différent. Je ne sais pas si j'ai répondu, si toi tu as autre chose. Si t'as... Non, moi je peux juste dire que la question elle est intéressante parce que nous aussi on se demande qu'est-ce qu'on fait. On a beaucoup de, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'on fait entre nous. Est-ce qu'on, et en fait c'était aussi le parti pris de l'expérience, la recherche, de se dire oui on n'est pas que là pour réciter un texte par cœur en fait. C'était justement ça le truc, c'est de se dire mais alors si on enlève le texte, ce qu'on a fait, on a improvisé pour la plupart des choses, on avait quasiment pas de texte, on avait des points de rendez-vous écrits, mais du coup qu'est-ce qu'on fait alors si on n'a plus de texte et qu'on veut quand même raconter des choses. Donc ça c'est effectivement, après incarner un personnage, il y a plein de comédiens et de comédiennes qui disent moi la notion de personnage j'y pense pas, j'y crois pas, et en fait je suis là et le public voit un personnage parce que je l'incarne, parce que je suis sur scène et que je représente aux yeux du public un personnage, mais moi, ça m'aide pas cette notion. Donc voilà, c'est aussi des choses qui, voilà, enfin qui, c'est des notions qui sont complexes. Et ouais, comme il y aurait une autre réponse qui serait de dire apprendre un texte. Enfin, c'est ce que aussi vous me disiez. Finalement, c'est le problème le plus simple du comédien ou de la comédienne. C'est un problème, c'est quand même le plus simple. Enfin, savoir son texte et justement l'interpréter, ce serait quand même le défi supplémentaire. Et il y a aussi, ben, dans les recherches qu'on a faites, puisqu'on a, comme on s'est beaucoup posé cette question-là, il y a aussi un peu une école qui est de dire on va construire en fait la mémoire du personnage et que, enfin, interpréter ce serait aussi ça, par exemple. Enfin, je pense que justement Lupa, par exemple. Enfin, bon, bref. Voilà. Il y a aussi un peu cette école-là qui est assez, je pense, à la mode, je dirais en ce moment, qui est de se dire on va construire un peu le monologue intérieur du personnage comme sa mémoire, et ça va permettre de l'interpréter, et le texte n'est qu'une clé pour accéder à cette mémoire-là qui est un paysage beaucoup plus vaste, et que c'est là la différence entre apprendre le texte et interpréter, c'est faire le lien entre ce texte et tout l'imaginaire qui convoque, et que ça constitue un personnage en fait. Mais bon, c'est une réponse parmi en fait autant de réponses qu'il y a de comédiens, comédiennes, je pense. Merci. Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci, effectivement. Vous avez quand même fait des répétitions, donc ça veut dire que vous avez quand même construit des choses à partir d'un texte ou des clés sur votre jeu. Mais vous avez aussi partagé des moments d'improvisation qui peuvent aussi s'ancrer dans la mémoire pour pouvoir le jouer à plusieurs reprises. Donc est-ce que cela s'est produit à certains moments? Et comment? Ouais, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question. La question c'est... Je disais que vous partiez sur des moments où vous improvisiez. Mais avant, vous avez quand même répété avant de vous produire sur le plateau. Donc, il y a forcément des moments communs d'impro que vous avez fait pendant des répétitions ou à plusieurs représentations, donc qui créent peut-être des automatismes et qui ne sont plus peut-être des moments d'improvisation par moment. Bah, c'est exactement ça quand on parle de mémoire collective, en fait. C'est que sans jamais s'être penché sur le texte, on s'étant dit, bon, allez, il faut que ça rentre. En fait, le fait est que pendant un mois, on a quasiment vécu ensemble et que les improvisations, on les a tous en mémoire, que ce qui a marché, en fait, on s'en parle à la fin. Donc, on se dit, ah ouais, ce moment, il était super. Et donc, forcément, on le note. Et sans doute, il va réapparaître, peut-être sous une autre forme. Bien sûr, c'est arrivé. Et tout l'enjeu, c'était aussi de se dire comment on continue ce truc-là de continuer à inventer et de ne pas se rester en se disant « bon, ça a marché, le spectacle, il est bien comme ça », et parce qu'on aurait perdu cet effet de trouver quelque chose. Et
aussi, alors il y a donc vraiment des moments qui, clés comme ça qui se sont reproduits. Et là, c'était toute la difficulté aussi de rester hyper, de trouver quand même une sincérité, vu qu'on voulait aussi créer le spectacle sur, basé sur les souvenirs, de créer cette fragilité-là et de ne pas... en fait, on pouvait réapprendre parfois des nouvelles parties de texte qu'on on le disait pas aux autres. Et c'était un peu comme des cadeaux qu'on pouvait faire à des moments aussi pour surprendre à nouveau les autres. Et c'est là aussi où l'ego du comédien ou de la comédienne, où c'était un travail super intéressant de voir comment fallait vraiment se retirer par rapport à ça, parce qu'on pouvait pas se dire ah, aujourd'hui c'était super le hier, l'émotion qu'on a ressentie, là on va réessayer, parce que c'était là quand on essayait que c'était en fait qu'on sentait que c'était pas juste du tout. Et Il y a aussi le fait que vous n'étiez pas du tout certain de pouvoir rejouer la même chose, parce que ça dépendait quand même pas que de vous. Enfin, même s'il y a un jour où vous aviez eu le moment où vous pouviez faire, enfin, avoir quand même l'attention sur vous pendant 3-4 minutes, parce que ce monologue-là passait, enfin, était juste, justement, ce qu'on se disait. Le lendemain, c'était quand même... D'ailleurs, ça, c'était jamais le cas, que ça se repasse vraiment exactement pareil, en fait. Donc, ce que je... Ah, allez-y. Sur votre la question, sur notre cours. Vous tombez complètement là, au niveau de l'oubli. Donc, ça vous arrive sur scène. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour que le souvenir revienne, en fait, et que vous ne perdez pas complètement pied sur scène ? Pareil, en panique. Hein. Alors, j'arrive à remonter quand même à un moment. Ouais. Bien. On a des partenaires qui sont d'accord. Là pour essayer de nous sortir de l'eau si jamais on se noie. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, sinon, on trafique en reprenant un truc ou en allant chercher je sais pas quoi qui est trois pages plus loin en disant tant pis, il faut faire un truc. Voilà, mais ça c'est pas toujours réussi. Des fois, ça se voit pas. D'accord. Ouais. C'est plus simple sur un texte contemporain. Que sur des alexandrins. D'accord. Ouais. Justement, en lien avec cette question et la question qui vous a été posée tout à l'heure, quel est votre degré de liberté par rapport à un texte donné ? À savoir, si vous avez un trou de mémoire, un trou, vous ne trouvez pas votre ligne, la phrase que vous devez dire, vous connaissez quand même l'histoire globalement. Est-ce que vous avez une certaine liberté de sortir du texte ? Et quel est ce degré de liberté ? Et pour continuer sur cette question, à titre d'exemple, On m'aurait donné ce texte à parce que ça m'a traumatisé cette expérience. On m'aurait donné ce texte pour me rappeler en entier en quelques minutes. J'ai vu que vous vous êtes focalisé sur le mot à mot. Et l'exercice était jusqu'à combien de phrases je vais pouvoir retenir avant de lâcher. Mais moi, on m'aurait donné ce texte-là. Et nous, on a l'habitude de lire énormément de choses toute la journée, mais pas forcément pour nous souvenir mot à mot, contrairement à vous. Mais de souvenir du contexte et du sens. On m'aurait donné ce texte-là, j'aurais tout lu et j'aurais compris le sens et j'aurais raconté l'histoire sans forcément me coller aux mots. Et donc, ça revient à ma question antérieure. Quel est votre degré de liberté par rapport à un texte ? Déjà, il y a une question de droit d'auteur. De manière pratique, enfin, il y a de droit d'auteur, j'exagère, mais d'auteur ou autrice qui autorise ou pas à prendre des libertés sur le texte. Ça peut arriver, par exemple, qu'on veuille monter un texte qui n'est pas libre de droit et qu'on nous dise, en fait, si vous ne le montez pas au mot près, ce n'est pas possible. Ça, par exemple, moi, déjà, je peux répondre à cet endroit-là. Il y a ça comme données. Oui, et après, alors ça dépend dans quelle situation on se trouve. Là, en l'occurrence, c'était plus d'essayer vraiment de l'apprendre mot à mot pour, parce que c'est... complexe en fait en si peu de temps, mais c'est vrai que souvent même quand on apprend un texte, au fur et à mesure en fait on apprend le sens et donc quand on a parfois un trou de mémoire, c'est en fait on sait le sens de ce qu'on doit dire ou ce qui se passe qui va nous raccrocher à la suite et qu'on puisse rebondir avec
certains mots, mais ça, c'est pas toujours possible parce que, comme l'a dit Juliette, parfois c'est vraiment très très strict. Et aussi, par exemple, pour les alexandrins, c'est un gouffre énorme si ça arrive. Et donc, faut juste s'entraîner pour que ça n'arrive pas, en fait. Peut-être. Faire assurer la mémoire, ouais, ce serait pas mal. Ou des souffleurs ou souffleuses. Du coup, ce que je vous propose, parce qu'on arrive à 20h, on va prendre la méthode de Mohamed, qui est pas mal, sans le téléphone ni rien, et se retrouver ensemble pour une petite collation partagée. Voilà, c'est une autre façon de partager les idées, les questions, les réponses. Voilà. En tout cas, merci à vous trois pour cette présentation.